Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, me voilà reparti pour une journée. On est le mercredi 29 mars. Donc, j'ai quitté le gîte de Logroño vers 7h30, 8h moins 20. Et donc, bah, écoutez, il m'a fallu bien 5 km pour quitter la ville. Et donc là, je retrouve le sentier. Je vous avoue que c'est avec grande joie. C'est vrai que je fais ce chemin essentiellement pour le côté nature. Et donc, bah, voilà, les villes, c'est vrai que c'est chouette à traverser. Mais voilà, c'est pas ce que je préfère, mais ça, c'est tout à fait personnel. Voilà, donc bah écoutez, vu que j'ai déjà fait 6 km et demi, bah écoutez, il me reste à peu près 22 km à faire pour arriver à Nájera. À tout à l'heure. Tu vas manger? Ouais, il cherche à manger. J'ai plus rien. J'ai plus rien. Voilà, au bord de l'autoroute, mais en fait tout le long il y a du grillage, il y a plein de gens qui ont mis des croix et j'ai posé la mienne. Bon, eh bien écoutez, voilà, je suis sortie de Navarrette. L'église était magnifique et j'ai eu beaucoup, beaucoup d'émotions dans cette église. Et donc, j'ai un petit changement de programme. Finalement, je ne m'arrête pas à Nájera. Je vais pousser de 5-6 km. Pas forcément très raisonnable. Ça va me faire une étape de 34.
Mais en fait, je vais retrouver un pèlerin qu'on appelle Jésus là sur le chemin. Et parce qu'en fait, il a vraiment le physique de Jésus. Et en fait, on avait prévu de se faire un échange. Moi, je vais lui faire une réflexologie plantaire. Et lui, en fait, il va me faire les tarots. On a dit qu'on se ferait un petit échange. Et du coup, lui, il va continuer le chemin jusqu'à Santiago. Et moi, comme vous le savez, ça s'arrête demain. Donc en fait, c'était un petit peu que ce soir qu'on pouvait le faire. Donc comme il est un peu plus loin, je pousse jusque là-bas. Donc j'espère que mes jambes et mes pieds vont m'y porter. Allez, à tout à l'heure. Donc là, vous voyez, c'est très plat. Donc je filme un petit peu moins parce que c'est vrai que là, c'est un petit peu moins spectaculaire que les autres jours. Mais ça n'empêche pas que je suis très bien sur ce chemin. Allez, à tout à l'heure. Ça y est, je crois que les amis, j'espère en tout cas que c'est le village que j'aperçois là, parce que là je commence quand même vraiment à fatiguer. Écoutez, je crois que je suis à 35 ou 36 km. Là j'ai vraiment poussé dans mes limites aujourd'hui. Allez, à tout de suite, on va voir si je suis bien arrivée au bon village. Bon voilà, c'est l'heure du repas bien mérité, et donc je suis en compagnie de Jésus. C'est lui... c'est à cause de lui que j'ai fait autant de kilomètres aujourd'hui. Ouais. Alors en fait, je vous explique. Je vais lui faire une séance de réflexologie. Donc j'ai hâte, grand hâte. Voilà, et on a pris une pension super sympa. C'est le grand luxe là pour nous ce soir. Ouais. Et puis il va me tirer des cartes en échange. Voilà, vous voyez, le chemin est plein de surprises. À plus tard. La pension.